toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, et on se retrouve avec un lag-back coupeur de micro sur The Bridge pour le chapitre 2, et donc nous allons entrer dans le vortex. Le vortex. BL, 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 BL. Alors, ce niveau, sérieusement, il m'a fait chier. Je vous le dis tout de suite, il m'a fait sérieusement chier, le vortex. Alors, je vais vous montrer, alors, quand on se fait choper par le vortex, on est fini de notre petite vie. Et voilà, et il ne nous reste plus qu'à retourner en arrière parce qu'il n'y a rien à faire. Quand je faisais ça, et bah la clé était happée par le vortex et c'en était fini de la clé. Donc du coup, je crois bien que il a fallu essayer de faire tomber. Ah! Faire tomber cette fichue clé. Comment j'ai fait mon coup déjà? Comme ça. Ok. Alors, on est parti. On est parti. On fait pas de bêtises. Vite la clé. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Tu te fais pas choper par le vortex. Non, c'est bon, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc, nous avons réussi ce niveau. Le précipice. Chargement. J'adore les images de jeu. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment sublimes. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, alors. Là, on a un vortex qui apparaît et qui disparaît comme par magie. Alors, on s'en fout de se faire choper, en fait. Par contre, quand il sera plus là, il faut qu'il me relâche très, très vite. Assez vite pour que je chope les clés. Voilà. Et donc là, après, dans l'autre sens, l'idée est exactement la même. Sauf qu'il faudra se remettre assez vite en place pour éviter de tomber. Faut tomber suffisamment vite, mais pas trop pour pas tomber dans le vide non plus. Donc là, voilà. Non, 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 voilà, j'ai tombé dans le vide. Ok, on voilà. Bon, alors ça dit quoi? Ainsi ai-je chu éternellement. Ouais, alors un peu trop éternellement à mon goût, en fait, cela va de soi. Alors là, ça demande un freinage de la mort. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon, ça y est, on y est. Nickel. Le lion. Le lion. Alors, je suis bloquée au lion. Alors, nous sommes partis pour 23 minutes de vidéo bloquée sur le lion. C'est parti. Mon kiki. Alors, je vais vous montrer par contre ce que j'ai découvert parce que je suis drôlement impressionnée. C'est bon le lion. C'est délicieux. Alors j'ai découvert ceci, voilà, ça débloque. Ça débloque. Alors je me dis que peut-être que si j'arrivais à faire tomber. Attendez. Attendez, 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 j'ai peut-être. Oh, j'ai une idée! En fait, non. On va voir ce que ça donne. Non, ça donne que dalle en fait. D'accord, ok, très bien. En fait, non, j'ai pas d'idée. Alors attendez. En fait, si, j'ai peut-être une idée. En fait, ai-je une idée? N'ai-je pas d'idée? Ai-je ou n'ai-je pas? Ai-je, n'ai-je pas? Ai-je ou n'ai-je pas? Très bien, voilà. Donc, évidemment, vous, comme vous pouvez le voir, si c'est ça, bah, le vortex revient et moi dans le vortex. Et moi dont la vie est finie, terminée, capoute. Capoute, voilà. Il ne reste plus qu'à refaire un bon retour arrière avant la chute dans le vortex. Et essayer de comprendre. En fait, j'aimerais bien faire venir la boule avec moi. Le problème, c'est que pour faire venir la boule avec moi, il faut que je puisse appuyer dessus. Et pour ça, il faut que je puisse poser mes fesses dessus. Et pour que je puisse poser mes fesses dessus, il faut que la boule soit à l'opposé. Réfléchissons. Réfléchissons. Comment je peux faire passer la boule? À mon avis, la boule, il faut qu'elle soit appuyée là-dessus, hein, pour que je puisse repasser. Mais peut-être que je pourrais passer par le derrière. Ou peut-être qu'il faut que la boule passe derrière. On peut pas passer derrière, c'est pas possible, c'est pile la taille.
donc voilà, comme vous disais-je, pour ce jeu, il faut être intelligent. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu. Attendez, on va quand même réfléchir un petit peu. Alors... Mais je sais pas, en fait, je me dis que là, ce truc-là... Est-ce qu'il y a une souris sur l'écran? Non, vous voyez pas. Oui, alors... Comment vous montrer? Vous voyez à la perpendiculaire de cette chose-là. Il y a un truc, je me demande si on peut pas marcher dessus dans l'autre côté pour ensuite... Non, mais c'est pas possible, non, ça, non, non, c'est pas possible. Il n'y a pas un mode indice sur le jeu, recommencer le puzzle, crédit, retour dans le vestibule, Kodal, il n'y a pas de mode indice. Bien sûr, n'aidons pas les gens. Il faut bien que je fasse disparaître ce vortex pourtant, bon sang de bonsoir. Allez, 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 non, 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 pas de... Alors... Riposi... Créer un mouvement de quoi? J'ai pas le mot en dessous, créer un mouvement de quoi? De balancier. En fait, quand je fais ça, ça le fait revenir dans le vortex. Faudrait que... ne tombe pas, que je puisse appuyer comme ça avec mes petites menottes et tout, mais je peux pas. Faudrait que j'arrive à passer assez vite. Est-ce que je peux tomber assez vite? Non, je peux pas. Le vortex me remet automatiquement en route. Faudrait vraiment que la boule vienne se poser là, en fait. Et comment faire se poser la boule là? Le lion. Et si... Et si... Et si... Mais je peux pas passer de l'autre côté du lion. Vas-y, roule la boule. Ouais, maintenant là, j'ai redéclenché le feu. Ah, vas-y, roule la boule. Roule la boule, roule vers moi. Roule, 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 roule. Ah, mais non, là, c'est pas. Ah, blablabla. Et si, j'arrivais à essayer de passer comme ça, mais. Tourner dans le vide, vide. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Tourner dans le néant, là, même plutôt. Ah, et si là... Non, ça appuie pas quand je fais ça, dommage. Dommage, dommage. Je peux pas sauter, je peux rien faire d'autre que marcher. Je dois bien avoir un truc à faire, c'est pas possible. Ouais, bon, j'ai tenté le suicide, ça n'a pas fonctionné. Visiblement, ce n'est pas la solution qu'on attend de nous. Ai-je mal compris le fonctionnement des vortex? Puis-je me libérer d'un vortex? Alors là, j'ai été pouffée par la boule. Très bien. Mais là, je vais être bouffée par la boule aussi. Hein. Oh! Coucou Suisse! Eh! Eh! Non, ta gueule, la boule! Reste sur le truc! La boule! Non, 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 non! Attends! T'es gentil, tu restes là! Tu restes là! Tu restes là! Non, non, non! Merde! Allez vite! Allez! Allez! Non! Non, 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 non! Ah oui! Ah oui! Ah oui, je sais aussi! Vite, vite, vite! C'est bon! Ça y est! Ah putain! Les piliers! Ah bah punaise! Ah ouais, ouais, attends, attends, top chrono 6 minutes, hein! Plus 1 heure hier! C'est vrai! Ah mon dieu! Ok, les piliers.
pourquoi je sens qu'il y a des choses méchantes là. Ok, faut pas que j'aille dans le vortex. Encore que si, peut-être que je peux me permettre d'aller dans le vortex. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait tomber pour me libérer du vortex? On va tenter de s'emprisonner dans le vortex, n'est-ce pas? On va tenter de se ramener la clé. Ah ah! Meilleure performance, attention! Ok, maintenant que c'est libéré, je me sens un peu comme une conne. Soit! C'était pas ça qu'il fallait faire, ok, très bien. Ah, je crois que nous avons perdu le leg bas du live. Ah oui, ouais. Ok, donc... En fait, je crois que c'est moi qui vais essayer de... M'emporte pas le vortex. Allez, allez. Bah, moi, je voudrais pas que la clé se retrouve... Ok, alors là, c'est moi qui suis dessus. Allez! Pose tes fesses. Ok, soit. Maintenant, qu'est-ce que je suis censée comprendre? Comment je rejoins la porte, moi, maintenant? Ou alors, attendez. J'ai peut-être une idée. Peut-être que c'est la clé qu'il faut que je mette sur le truc pour empêcher que le vortex me chope. Est-ce qu'elle peut... bloquer le vortex ou pas? Non, que dalle. La clé me rejoigne. Mais je peux pas être aux deux mêmes endroits que la clé. Eh bah oui, quand je vais faire venir la clé, je vais me faire choper par le vortex. Ah ah, ah ah, bon. Comment on va faire ça là? J'ai réussi à choper la clé tout à l'heure. Bah, je nous ai tous les deux mis dans le vortex, non? Bon, attention, et ça change quoi là? J'en ai aucune idée. Je suis un peu. Des muffins du futur. Ouais, là, je sais pas trop. Ouais, là, pour le coup. Alors là. En fait, ce serait cool que la clé, quand elle est devant la porte, elle s'ouvre, la porte. Mais non, que dalle. De se mettre en... Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Comment qu'on fait? Tout a commencé ici, n'est-ce pas? Tout a commencé ici. Ici, j'ai été dessinée. Donnez-moi cette fichue clé! Bon sang, bonsoir! Je veux la clé? Il y a forcément... Oh, attendez! Je sais! Je sais! Je sais ce qu'on va faire. On va offrir... On va faire une offrande de la clé au vortex. Parce que moi, je pourrais la libérer alors qu'elle, elle peut pas me libérer, en fait. Alors. Maintenant, la question est... Comment j'offre la clé au vortex? Comme ceci? Comme ceci, ouais. Très bien, voilà. Maintenant que la clé est offerte au vortex... Je suis patiente, zut. Maintenant, je vais demander à ce qu'on m'offre la clé.
Vas-y. Alors maintenant, faut pas déconner. Faut aller par là. Bah voilà. Bah c'est bon, on l'a eu. Voilà, si la clé pouvait pas me sauver, mais que je pouvais sauver la clé, il fallait offrir la clé. C'est QFD en fait. Le mausolée. Un vrai mausolée. Appuyez sur A pour continuer. Ah, j'aime pas ces grosses boules. Oh, c'est un vortex qui est pas beau, ça. Faut que j'aille là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Tu vois ce que c'est, toi, Enigma? Oh, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais lui envoyer la grosse balle dans les couilles. Ah, attends. Ou alors peut-être qu'il fallait pas faire ça. Ah, peut-être qu'il fallait pas mettre la porte. Ah, mais d'accord. Oh non, d'accord, ok. Recommencer le puzzle. Oui, recommencer le puzzle, oui, évidemment, ouais, recommencer le puzzle, ouais. J'ai pas été très fut-fut là pour le coup. Ok, très bien. Oh, pas sur ma tête! On va essayer de faire autrement. En fait, c'est la boule qu'il faut qu'il aille en haut. Pourquoi je le sens mal là? Pourquoi je le sens très mal? Je crois que j'ai très bonne raison de le sentir mal en fait. Oh, je me suis fait ratiboiser. Je crois, hein. Oui, je crois bien, ouais. Ok, bah là, on n'est pas dans la merde. Ok, recommencer le puzzle. Oui, recommencer le puzzle, oui. Faut que je mette la boule à droite. Faut que je mette la boule à droite, c'est super important parce que c'est elle qui va me permettre de pouvoir passer à travers la porte. Oh, je sais! Je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Et oui. Et oui. Enfin, il y a les mollo. Vas-y, mollo. Mollo, mollo, mollo. Faut pas qu'elle tombe au milieu, faut qu'elle tombe sur le côté. Ça va me permettre de faire tourner moi. Et de passer en l'air. Voilà. Sans qu'elle me fasse du mal, la vilaine. Et donc logiquement, je devrais pouvoir repasser le long des murs comme je l'entends. Gentiment, pendant qu'elle, elle est en bas. En train de faire très exactement ce que je veux qu'elle fasse. Ok. Je vais m'emprisonner à l'abri dans le vortex. Faudra surtout pas que je la fasse tomber dans le vortex. Ah! Non, c'est bon. Par contre, moi, faut que je tombe au centre. Tombe au centre. C'est bon, je suis emprisonnée. Je suis à l'abri. Maintenant, faut que je ramène la boule. Oh, c'est génial. Ce jeu est génial. Ok, c'est bon, nous sommes libérés dans le mausolée, c'est charmant, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ah bah le live a crash, coucou. Ah, coucou. Tu as loupé la sortie du mémorial. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une porte à clé juste à côté du vortex. Ok. Une grosse boule et la clé. Oh putain. C'est dingue le nombre de grosses boules dans ce jeu. T'as vu ça? C'est drôlement impressionnant.
Atlas, okay. La fille qui ne comprend jamais quand je fais des blagues, c'est l'as. Oh, Grekel. Pourquoi tu comprends jamais, dis-moi? Ah, la boule est morte! Tandis que la menace s'en va, alors moi aussi je suis laissée, abandonnée sur cette structure. Mais Asdis, pourquoi tu comprends jamais quand je fais des blagues salaces? Mais parce que... pourquoi? Tu n'as rien de salace, non? Pourquoi? Non, parce que tu es innocente. Oui. Je suis l'innocence incarnée. T'as l'air convaincue, dis-moi. Ah, c'est... ah, elle m'a bouffé! J'ai perdu ma boule! La boule m'a trouvé, au contraire, là, tu vois. La boule m'a sérieusement trouvé. Non, mais je voulais citer le joueur du grenier, en fait. J'ai perdu ma boule! Je savais pas. En fait, je crois que je vais faire une offrande de boule au vortex. Une offrande de mais boule au vortex. Mais ça sert à rien. Alors, faire une offrande de boule au vortex. Ouh, là, c'est... là, c'est freudien, par contre. Là, c'est freudien. En fait, pour que je puisse passer pour récupérer la clé, il faut que je mette la boule en l'air. D'accord. Mettre les boules en l'air maintenant. Pff. Ouais, mais par contre, je comprends pas comment je peux aller récupérer la clé. Non, la boule! Non! Holy Jesus! Attention. Attention. Ah, peut-être en passant. Je sais pas. Non, 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 libère-moi! Comment je peux faire ça, moi? Tiens, entre. Oh mon dieu. Oh là 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 là, c'est compliqué, ma foi. Oui. Tu peux rage quit, n'oublie pas. Ah non, je ne rage quit jamais. Pourquoi? La boule va m'écraser! Et on en parle, du fois où t'as joué à Dream, de la fois où t'as joué à Dream Killer. Oh, 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 oh. Attention! Chut. C'est un secret! C'est un secret! Elle a vu des araignées partout! Elle a rage quit! Tu veux qu'on fasse un pacte? Quel est-il? Tu me trouves comment on prend son arme sur Dream Killer et je le fais? Tu le fais. Je le fais. Tu le fais. En let's play comme prévu. Tu y engages. Je m'y engage. Tu le promets. Oui. Ok. Chérie. Oui. Prépare-toi. À affronter des pires cauchemars. Oh, je me prépare, il faut juste que tu me trouves comment régler le problème. Le problème de l'arme. Petite Teslis. À la réglisse. Tu vas dégainer sur Dream Killer, petite Teslis. Ok, bah tu me trouves comment on prend. Ok. Et tu pourrais pas chercher toi-même? J'ai pas trouvé. Et t'as pas voulu retourner pour chercher? Je prends ça pour un nom. Chérie. Ouais, disons que j'y ai pas mis beaucoup de fois, quoi. Chérie. Oui. Chut. Ça suffit. Toi, la grosse boule avec les yeux qui bougent, reste contre ton petit bonheur. C'est dingue le genre de phrase que les jeux vidéo peuvent te faire prononcer. Ces phrases qui n'ont aucun sens dans la vie réelle. Ouais, ça c'est sûr. Non mais... Ok, ok, on est bon. On est bon. Voilà. Nickel. Chapitre 2 complété, tadadam. En quoi? En 24 minutes 45. Très bien, je l'aurais jamais cru. Tels des enfants avec une boîte à jouer sans fond, créant, explorant notre imagination, seule limite. Nous rejetons les vieilles théories et en inventons de nouvelles. Notre monde. Il faudrait faire une pause. Attends, attends, ma maison. Mais ton cerveau va surchauffer. T'inquiète pas, mon cerveau va bien. Et puis il y a Mort qui veut te parler.
Attends, attends. Marcher sur l'impossible est plus simple qu'il n'y paraît. Chapitre 3. Chapitre 3. Et bah du coup, nous commencerons le chapitre 3 la prochaine fois. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.